La déconnexion, interview de Sofiane Colli. L'hyperconnexion, comment se motiver à en sortir ? Effectivement, à un moment donné, on va avoir une baisse de la productivité. On n'est pas des super-héros, ni des super-héroïnes. Donc, on pourra aussi avoir une baisse de la concentration, ce qui peut être problématique parce que si demain, on est fatigué, on peut avoir des accidents parce que justement, on est trop connecté. Mais l'idée, c'est de se dire que c'est un sujet et qu'il faut l'aborder, qu'il faut le traiter, qu'on soit concerné directement en tant que dirigeant ou que ce soit en tant que salarié appartenant à une entreprise ou à une association, peu importe. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui encourage l'hyperconnexion malgré tout ? Le développement technologique s'accompagne justement de cette hyperconnexion et on promet toujours plus de réactivité. Forcément, ça a un impact sur nous, nos business à nous, en tant que chef d'entreprise, où on va promettre aussi cette hyper-réactivité. Quand vous êtes chef avec un seul F ou avec deux FE d'entreprise, bien évidemment que vous allez vouloir être le meilleur parce que comment vous allez faire pour vivre si vous ne développez pas, si vous n'êtes pas dans la croissance et dans le chiffre d'affaires ? C'est impossible. Donc, ça favorise l'hyper-connexion et effectivement, l'entreprise a à y gagner dans un objectif, on va dire, court-termiste. Et comment faire pour promouvoir une culture de la déconnexion ? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il va falloir à un moment donné que quelqu'un mette les mains dans le cambouis et se dise « Non, mais ça ne peut plus durer, ce modèle-là ne peut pas fonctionner dans le temps. » Donc effectivement, il faut se dire « Nous, on va réfléchir dans nos organisations pour savoir aujourd'hui, est-ce que ce modèle-là, il va durer ? » Et ce n'est pas qu'une question de déconnexion. Vous savez, il y a d'autres entreprises qui se sont dit « Mais tiens, on va organiser notre temps de travail différemment. » LDLC, pour ne pas les nommer, qui est un grand groupe lyonnais qui est justement dans l'informatique, eh bien, eux, ils ont dit « Nous, on va passer à la semaine de 4 jours. » Ça s'accompagne certainement aussi d'un esprit, justement, sur la déconnexion, en se disant qu'on doit organiser le travail différemment. Selon vous, quels sont les outils pour déconnecter ? Alors, les outils, ils sont nombreux. Il y a parfois des outils effectivement coercitifs, c'est-à-dire que certaines entreprises ont vous n'avez plus accès au serveur après une certaine heure. Je sais qu'Orange a signé un accord collectif un peu différemment, où on va être plus sur la pédagogie, l'éducation des managers, etc. Donc, on a plein d'outils qui existent, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il faut être coercitif ou est-ce qu'il ne faut pas ? Je pense que ça dépend de la maturité et du dirigeant de l'entreprise ou de la dirigeante, mais aussi des salariés. L'outil principal, c'est le dialogue, parce qu'il ne faut jamais débarquer avec une solution toute prête. Ça n'existe pas, il n'y a pas de solution toute prête. On va d'abord passer par le dialogue avec les principaux concernés. Peut-on parler aujourd'hui de la déconnexion comme une compétence professionnelle ? Je pense que ça va le devenir à travers le temps. C'est une compétence professionnelle et je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur. Mais les managers, les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise doivent vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps pour justement se dire, effectivement, je vais développer ça aussi chez mes propres salariés. Je vais leur permettre de comprendre qu'il y a des limites pour qu'ils puissent les respecter, pas sous l'aspect disciplinaire. L'aspect disciplinaire n'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus des recommandations, des bonnes pratiques. Donc, effectivement, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une culture et ça va passer par, effectivement, le déploiement de compétences pour être capable de se concentrer quand on est au travail, mais aussi de se déconnecter quand on n'est plus au travail. Pour un manager, le plus important pour inspirer la déconnexion n'est-il pas de commencer par lui-même ? Eh si, alors là, on en revient sur des principes quasiment éducatifs. Quand on est parent, on se dit qu'on doit donner l'exemple à nos enfants. Et je pense que c'est pareil. Quand on est un leader, quand on est un manager, on veut emmener les gens, on veut embarquer les gens dans un projet d'entreprise. Et les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du sens. Et finalement, la déconnexion fait partie intrinsèque de ce mouvement-là. Et il faut effectivement se dire comment est-ce qu'on va travailler demain ? C'est quoi le monde de demain ? C'est de redonner du sens, je pense.